Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à Info Japap 237. On y va. Aujourd'hui, je vous présente le concurrent, le challenger de Francis Ngannou au 237. Je m'interroge. Mais sauf que celui-ci pratique sa part des arts plutôt sur les femmes. Comment? Comment ça? Moi, je comprends rien. Regardez un peu ceci. Vous me menacez, vous me tapez, vous tapez la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, petit frère, calme-toi. Tu me fais quoi? Venez. Voilà, très bien. L'incident se passe sous le pont de Vouri. Le monsieur que vous voyez là s'appelle Amand. Je vais juste parler de leur prénom. Et la dame s'appelle Ingrid. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Point d'interrogation. La dame, en fait, les deux sont en train de conduire. On ne sait pas, puisque chacun vient avec sa part de version sur les réseaux sociaux. Ou c'est la femme qui a cogné, ou c'est l'homme qui a cogné. Mais quand on regarde les images, on comprend que c'est la femme qui est en tort. C'est vrai. Donc, le monsieur restait dans sa voiture, il patiente. La femme ne sort pas. Il sort et vient dire, mais madame, vous me cognez, vous m'avez cassé même le pot de phare, mais vous restez là sereine, vous voulez même fuir. C'est grave. Bon, vous connaissez la femme avec l'arrogance, l'orgueil, le boucan. Vous venez vous coller, vous cognez quelqu'un, vous voulez partir. Elle reste là où elle est femme de Kyo. Mon pays, c'est avec. Tu sais qui je suis là, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Cherchez à me déposer, va faire le constat. Pourquoi faire le constat? C'est pas le problème, c'est un de mes clients. On va appeler. Je vois que quelqu'un va appeler. J'ai les femmes. Hein? Tu charges encore au téléphone. Mais prends le téléphone de celui qui a envie de fumer là, tu appelles avec, non? Vous parlez à qui? Quoi? Quoi? T'as dit quoi? Tu racontes quoi même? T'as dit quoi? Il faut répéter, j'ai pas compris. Vous parlez à qui? Quitte là-bas. Continue. Elle reste là, elle ne parle pas, elle ne dit rien. Bon, entre temps, elle avait engagé ou c'est sa soeur ou c'est son frère qui était en train de filmer. On ne sait pas. Donc le film était bien préparé, bien organisé. Le monsieur vient de dire que, mais, soit on fait donc le constat. On a dit que non, j'ai mon téléphone, je peux appeler, on fait le constat. Entre temps, le téléphone reste sur les jambes. Elle n'appelle pas, elle ne descend pas du véhicule. Le monsieur aussi, la tension monte. Vous vous connaissez, non? Nous connaissons, non? Les chauffeurs, parfois, ça arrive. Un chauffeur ne peut pas me dire qu'il n'a jamais eu ce genre d'échange-là. Mais sauf que, il faut toujours apprendre à se maîtriser parce que le monsieur allait au-delà. Vous comprenez? Vous comprenez dans la compréhension? Pause publicitaire! Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. Ok. Maintenant, le gars est fâché. Il ne fait qu'attendre. L'engar reste là. Où est la femme du capitaine? Où est la femme du général? Tu sais qui est mon mari? Ça, c'est peut-être ce qu'elle dit dans son cou. Le gars, à un moment donné, mais je parle à la bonne dame, là, elle ne fait que faire ces trucs. Est-ce que moi, je gère ça? Le gars commence donc à charger. Godness! Vraiment, c'est malheureux. Mais c'est le gars n'a pas eu le genre de coup là face à Francis Ngannou. Ah, boum, boum, ping, 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 ping. Voilà mon type, Amand. Toi aussi tu fais quoi comme ça? C'est la femme de quelqu'un, c'est la soeur de quelqu'un mon frère. Tu fais aussi quoi comme ça là non? Apprenez même souvent à vous maîtriser même non les gars. Hein? Entre temps maintenant, tu reviens maintenant pleurer. C'est tout. Tu fais tout ça. Tu reviens encore pleurer toi-même. Je sais que ça ne va pas tenir mon image. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. Tu n'avais pas pensé à tout ça au départ quand tu chargeais le coup de poing à la femme d'autrui. Mon frère, tu as chargé dans le coup de poing, ça a changé quoi? Point d'interro. Gaffe. Le pot de fer est revenu. Elle a acheté le pot de fer. Je te dis que. Non, c'est des soignants, je suis déçu. Te voilà maintenant que tout le monde, ton nom partout sur Facebook. Voilà. Apprenez à vous calmer. Mais oui, c'est clair. Apprenez à vous calmer. Et vous aussi, les dames, quand vous êtes en erreur, ne comptez pas sur vos maris. Vous ne comptez pas. C'est même un pays où chacun a les relations, chacun est président. Tu sais qui je suis? Tu es qui, le pape? Le président, tu es qui? Yeah. Vraiment, je suis ton équilibre. Arrêtez ça. Voilà maintenant que ça a cuit. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. Gars, j'espère que tu vas t'en sortir. De toutes les façons, c'était l'info Japap 237 de ce matin.
S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.